Alors, est-ce que les animateurs vont pouvoir nous aider à faire grimper ce chiffre? Ça, c'est aussi une grande question. C'est Maureen qui va y répondre. Quel est le premier duo qui va oser relever le défi Cap Warrior, Maureen? Ils sont là, Jean-Louis, ici, dans l'antre du Cap Warrior, notre Koh-Lanta à nous, en bord de Meuse, ici à l'aise. Regardez-les plutôt. D'une part, nous avons Cathy, élevée au petit filou. Mais les oranges, seulement, c'est important. De l'autre, nous avons Yves, El Canivel. Et le seul et unique. Ah oui, les autres, ce sont des faux. Alors, ils sont prêts à attaquer ce défi. Donc, je vous rappelle que pour avoir une chance de décrocher les 10 000 euros pour les ajouter au compteur de cette grande soirée, eh bien, il faut faire ce parcours en moins de 4 minutes. Est-ce que vous êtes sous pression, les amis? Oui. Ouais, qu'est-ce qui Cathy vous fait surtout. Cathy est sous pression. Ouais, elle ne tient plus en place. Non, je n'en peux plus parce que je vais devoir conduire une voiture et je n'ai pas le permis. Et donc, elle n'a pas le permis. Mais en même temps, miniature, c'est... je ne sais pas. Et c'est une automatique. Bon, est-ce qu'on est prêt? Oui. Alors, je mets en place le chrono, top chrono. Attends. On ferme les yeux, on met le masque. Alors, Yves, c'est à vous de guider notre Cathy. Voilà. Apprentie conductrice. Je t'écoute. Le chrono est donc parti. Cathy, je vous rappelle que vous avez 4 minutes. Ma voix. Oui. Et que ma voix. Voilà. Oui. D'accord. Bon, recule un petit peu. Vous êtes un binôme. Recule un petit peu. Voilà, tu continues. Tu vas à droite, tout légèrement. Voilà, tu accélères ça un petit peu. Accélère un petit peu. On est prudent, ce petit pas. À gauche. Voilà, tu recules, ici, tu recules un petit peu. À gauche, Cathy, à gauche, encore, à gauche, stop. Tu recules tout droit. Jusqu'ici, c'est pas mal, Cathy. Tu recules, voilà, c'est très bien, Cathy. T'aimes bien de faire ce que je te dis. Oui. À gauche, encore un petit peu. Tu avances. Laisse concentrer. Attends, tu me déconcentres. C'est centré le plus difficile. Hein. Allez, tu continues tout droit. Stop. Ouais. Alors, tu recules un petit peu. Tu braques à droite. Tu avances. Ah. Encore un peu. Attends, vas-y. Tout droit. Mais un bon coup de gaz. Vas-y, hop. Ah, c'est bon. Et tout droit. Permis, mais vous êtes impressionnés. Ouais. Alors, je vous demande de monter sur le tourniquet infernal avec Cathy, ce petit fait gaffe sur le tourniquet, c'est attends, comme ça. C'est comme ça que ça m'est arrivé. On a le petit mot. Yves, c'est à vous de découvrir ce que Cathy est en train de dessiner. Alors, je un bonhomme. Un petit bonhomme à roulette. On cherche un personnage. Un personnage. Je montre peut-être à nos amis du public pour un Gueluc. Petit peu les aider. Non. Voilà. Ça, chez vous aussi. Attends. Ça vous aide. C'est pas clair. Laissez-moi vous le dire. Elle ne peut rien dire. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas terrible. Mais c'est quoi ça? Bon, je recommence. Non, il faut recommencer, Cathy. Vous perdez du temps. Vous perdez des secondes. C'est vrai que dessiner sur le tourniquet infernal, c'est pas évident. Bon, c'est un bonhomme. Ouais, un sourire. Il est dans... Alors, Cathy, quand même. Mais c'est quoi, Z, là, qui est mis cinéma. Comme ça, sur le front. Mais moi, je vois pas. Vous êtes sûr? Avec sa grosse baguette, Yves. C'est pas compliqué. Non, j'ose pas le dire. Mais faites un chapeau. On est à 13 minutes Harry 45. Potter. Oui. Oh là 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 là, c'est bon maintenant, Cathy. À vous de claquer du ballon. Et voilà, le casse-choc du ballon. Oui. Ah, attention, allez, Cathy, fais l'éléphant. Allez, vas-y. Saute. Allez, Cathy, s'il vous plaît. On m'a mis la pluie. Voilà, regardez ça, quelle force. Quelle brillance dans le geste. Elle a pété des ballons toute sa vie. Alors attention, c'est parti pour le saut de l'ange de la muerte. Avec énormément d'élégance. C'est énorme. Mais elle a été élevée au défi, cette petite Cathy. Alors attention, petite pause. Oui, on se glisse dans la piscine puisque c'est l'heure de la douche. On est bien pour l'instant. Yves, ça va être le moment qui est un peu difficile pour vous. Puisque ça y est, nous avons le kawé. Est-ce que la douche peut se mettre en marche? C'est parti. Vous pouvez prendre un peu... Ah oui, ah, je sais. Alors il faut prendre un petit bon. Le chrono tourne. J'ai l'impression qu'on n'a pas de pénalité sur ce défi. Alors, à vous de prendre un coup d'eau. Je peux prendre mon temps. Mais non, dépêche-toi. Il faut chanter ce titre. Chanter ce titre, Yves, avec la bouche pleine d'eau. Ouais, mais je prends mon temps. Hein. Ah non, Yves, c'est pas grave. Sadique, on est à 12 minutes 31. Il faut pas traîner, il vous reste 30 secondes. Délivré, la reine des neiges, Et j'aimerais bien. Alors, on va lancer. Il reste 12 minutes 22, ça veut dire qu'on a 22 secondes de rap pour les suivants. C'est plaisir. On n'a même pas. Moi, je pense qu'on
fêter non, ça. Non, minute. Oui, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un deal à faire. Oui. Je mange un asticot si j'ai l'immunité. Bon, l'immunité? Mais c'est fini maintenant, le défi pour vous. Mais peut-être, est-ce qu'on peut négocier? Moi, avec j'aimerais bien négocier la direction. Voilà. De peut-être avoir un on laisse tomber. On laisse tomber les malus. Exactement. Pour les prochains, si. Si quoi? Si quoi? Si je mange un asticot. Est-ce qu'il va le faire? Oh, oui. Qu'est-ce qu'on en prend? Oui. Qu'en pense-les? Parce que du coup, ça les aide. Est-ce qu'on a un peu de sauce andalouse avec ça? Je le fais, je le fais pas. Tiens. Alors attention pour le. Non, merci, non. C'est plein de protéines. Le grand jury ça, est dit qu'il, est, dit qu'il est d'accord. Pour et pour notre équipe. Hein. Et pour éliminer les malus de la prochaine équipe. Oh, est-ce qu'il a mangé? Quelle horreur! Parti. Eh bien voilà, on n'a qu'une parole. Pas de malus pour la prochaine équipe qui se prépare doucement et qui est juste là. Oh. Ben, vous le voyez, il reste 12 minutes 22. Prochaine équipe va se préparer à procéder à ce grand défi Cap Warrior. Et nous, on repart en studio et on vous retrouve, cher Philippe Gueluc, le parrain de cette édition. Merci.